De nouvelles images de Scream ont montré le nouveau look de Ghostface. La sortie de Scream 5 dans les salles françaises est prévue pour le 12 janvier 2022. À cette occasion, Paramount a dévoilé une nouvelle bande-annonce du film, réalisée par Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette. Elle met en scène les trois acteurs principaux de la saga horrifique, qui doivent à nouveau faire face à Ghostface, mais qui tentent également d'aider de nouveaux personnages. Si l'intrigue rappelle les précédents volets, elle se distingue également par le look inédit du slasher sur les images inédites. Dans Scream, Ghostface ne se contentera pas de troquer son masque blanc contre un masque métallique, il utilisera également un lance-flammes, alors que jusqu'à présent, le célèbre tueur s'en prenait toujours à ses victimes avec un couteau. Les méthodes du tueur en série devraient donc changer dans Scream, ce qui rendrait les choses particulièrement difficiles pour Sidney Prescott, Neve Campbell. Ce nouvel élément pourrait également être un moyen de distraire les fans, car plusieurs scénarios étaient déjà disponibles pour le film, alors que les acteurs n'ont appris l'identité du tueur qu'une fois le tournage terminé. Que pourrait signifier le nouveau look de Ghostface? Le tueur pourrait s'amuser à détourner le célèbre emblème, mais il est également possible qu'il s'agisse d'extraits du film Stab, introduit dans le quatrième opus de la franchise. En tout cas, une chose est sûre, les producteurs de Scream semblent tout faire pour préserver le mystère autour de l'identité du futur tueur. Rendez-vous dans quelques semaines dans les salles françaises.